Ça n'a pas sa place au niveau sémantique, parce que, en tout cas, dans le Tantra Loka, je ne vois pas de référence à cette question, ni dans les textes d'Abhinavagupta Paramartasara ou ses hymnes, mais le cœur de la question, oui, que le cœur de la question n'est pas une question. Qui suis-je n'est pas une question sémantique, c'est un feu intérieur, c'est une résonance qui déclenche une interrogation, une recherche. Et ça, c'est, cette recherche est considérée donc, chez Vaishnava du Cachemire comme une grâce. Celui qui recherche l'essentialité est touché par la grâce, celui qui est satisfait de la vie fonctionnelle n'est pas touché par la grâce, donc cette même dynamique va se trouver dans l'approche cachemirienne, mais la formulation textuelle, j'ai pas lu tous les chapitres, il y a quelques chapitres que j'ai lu deux traductions anglaises du Tantra Loka qui ne sont pas très bonnes. Mais je n'ai pas vu de référence à la question même. Mais même dans l'approche védantique, qui suis-je est plus une dynamique qu'une formulation sémantique. C'est Ramana Maharshi qui a beaucoup utilisé cette formulation. Mais chez Shankara, chez Balarayana, chez Govinda, chez même les commentateurs védantiques, elle est assez peu formulée. Ça se fait qu'on trouve chez les Shivaïtes beaucoup de querelles avec les bouddhistes dans les textes. C'est une vieille manie indienne. Les bouddhistes entre eux ne sont pas très tendres. Quand on regardait l'histoire du Tibet, pour parler que du Vajrayana, la plupart des sectes bouddhistes tibétaines se sont massacrées les unes les autres, sont bombardées les unes les autres. C'est une tradition chez les bouddhistes qui est assez marquée. N'oubliez pas que l'empereur Asoka, avant de se convertir, a massacré d'innombrables non-bouddhistes. Et après, s'est converti aussi. Donc, mais pour ce qui est de la critique, et c'est vrai, dans le Tantra Loka, Abhinavagupta critique le bouddhisme, mais Abhinavagupta critique un peu tous les autres courants et présente le Trika comme étant le sommet de tous les courants. Et ça, c'est l'un des comme ça. Quand vous lisez les textes védantiques, après Shankara, vous avez également énormément de textes qui s'intitulent Souffler sur le nez du méchant. Il y a des textes qui s'appellent comme ça, orthodoxes. Voilà, il y a une grande critique. Shankara n'est pas tendre avec le monde dualiste et avec les bouddhistes non plus. Donc, il ne faut pas le prendre comme on le prendrait ici, où ce serait une différence d'opinion, mais c'est une... L'Inde se sert de la critique pour exprimer les choses. Et par exemple, Abhinavagupta va être très critique, par exemple, de Patanjali et du Bouddha, mais dans d'autres parties du Tantra Loka, il va les citer comme exemple de sages. Donc c'est uniquement pour permettre d'expliciter un point de vue qu'on va essayer de critiquer l'autre. Mais ce n'est pas une critique, c'est une critique d'expression, ce n'est pas une critique structurelle. En Inde, les différents darshanas, les différents points de vue sont
sont considérés comme non contradictoires. Mais c'est d'autres manières de voir. Le Samkhya est une manière de voir le monde, le Yogan est une autre, le Nyaya, le Vaisheshika, les différents Mimamsa sont, et le Shiva et le Kashmir sont différentes manières. Mais il n'y a pas d'opposition. C'est un peu comme les Vishnouistes et les Shivaïstes, ce n'est pas des oppositions, c'est des approches qui sont très proches, mais qui utilisent une terminologie différente pour des raisons presque familiales, parce qu'en Inde, généralement, on ne choisit pas sa lignée. On est né dans le Gotra, c'est une lignée familiale, on suit la lignée familiale. Donc ce n'est pas des critiques. Les maîtres bouddhistes, Dignata, les grands maîtres bouddhistes, Nagarjuna sont très très critiques d'autres écoles. Donc je pense en Orient, c'est une manière de... On se sert de la critique pour mieux présenter un point de vue. Mais ce n'est pas une critique fondamentale, c'est une critique d'expression, un peu comme vous avez des joutes oratoires au Tibet, en tout cas il y avait au Tibet des joutes oratoires, pour permettre de montrer sa compréhension profonde des textes. Les moines tibétains de différentes écoles, à un certain moment, se battaient entre eux, au niveau verbal, et devaient défendre des points de vue, puis critiquer le même point de vue. Ça fait partie de la. Oui, on peut presque dire des disciplines intellectuelles de l'Orient, de critiquer un point de vue, ensuite de prendre ce point de vue. Et Abhinava Gupta a eu des maîtres de très nombreuses écoles et a critiqué ensuite toutes les écoles. Sans que ce soit une critique, encore une fois, fondamentale, c'est une critique qui lui permet d'expliquer les différents points de vue et expliquer qu'il y en a un qui est supérieur, mais. C'est jamais. En Orient, il n'y a pas d'idée qu'une vérité est supérieure aux autres, mais par contre, il y a de nombreuses manières d'exprimer cette même vérité. Et donc, la critique est beaucoup plus sur l'expression. Le monde chrétien, le monde islamique, le monde taoïste, connaît également ces critiques constantes des autres écoles. Vous vous sentez proche de cette dynamique quand vous critiquez vous-même les voies progressives ou des choses comme ça? Non, je n'ai aucune critique des voies progressives. Ce qui n'existe pas ne peut pas être critiquable. Le progressisme, c'est une représentation mentale, c'est une manière poétique d'exprimer les choses, mais ce n'est pas quelque chose qui existe. Il n'y a pas de voix. La voix, c'est une représentation cérébrale. Et des fois, on peut, oui, pour des raisons pédagogiques, quand quelqu'un s'imagine qu'il y a une voie directe, on peut lui formuler que ça n'existe pas. C'est voie progressive aussi. D'autres moments, on peut expliquer combien les voies progressives sont la manière la plus ultime de célébrer la non-dualité. Ou d'autres moments, on peut dire, expliquer que la non-dualité est une manière de pressentir combien les voies progressives sont illusoires. Ces éléments ne sont pas contradictoires, c'est uniquement selon le point de vue d'une personne, il peut être pédagogique d'amener une forme d'élargissement du point de vue, mais il n'y a pas de point de vue qui soit supérieur, tous les points de vue sont extrêmement limités. Ce dont on parle n'est pas peut pas être compris conceptuellement. Donc tout ce qu'on peut dire sur notre point de vue, est tout à fait faux. Et éventuellement, une forme de mélancolie qui peut être liée au fait que cette beauté ou cette joie, je peux avoir l'impression de ne pas la partager quelque part. De ne pas la partager ou de ne pas la vivre. Quelquefois l'un, quelquefois l'autre.
La joie, dans le sens traditionnel, n'est pas joyeuse. Faut attention, comme le sucre n'est pas sucré. Faut pas prendre les mots à la lettre. Ce qu'on pourrait dire, c'est le quand un désir est satisfait, il y a un moment de non-désir. Et ce moment de non-désir est, selon ça dépend, des fois exprimé comme joie. Donc le désir est pas dans la possession de l'objet, le désir est dans le non-désir qui suit la possession de l'objet. Donc ce non-désir, des fois, est exprimé dans les textes comme joie. Mais je dirais, il n'y a rien à faire avec ce moment de non-désir, si ce n'est de se rendre compte qu'il est lié à l'absence de l'objet et non pas à sa présence. C'est-à-dire pendant le moment vraiment du non-désir, l'objet n'est pas là. L'objet semble être là avant. Vous achetez une voiture, vous achetez un chien, vous achetez ce que vous voulez, et vous êtes vraiment content. Si vous êtes vraiment intime avec ce contentement, dans le moment du contentement, il n'y a pas l'objet qui soi-disant vous contente. Et l'approche tantrique, finalement, a toujours été de détourner le regard de l'objet vers l'expérience interne qui, soi-disant, vient de l'objet. Quand je vais intimement explorer ce ressenti de la joie ou du non-désir qui suit l'acquisition de l'objet, je vais me rendre compte qu'à ce moment-là précis, l'objet n'est pas présent. Donc la joie, soi-disant causée par l'objet, exclut l'objet lui-même. Et ça, c'est très important parce que quand j'ai compris ça de manière expérimentale, ça va permettre un transfert d'énergie qui avant était vers les objets, et qui va être à un moment donné vers cette expérience directe dans laquelle l'objet n'est plus présent. On pourrait dire que la sadhana, selon l'emploi de l'expression un peu romantique de l'Inde, c'est justement le passage conscient des objets de désir au moment où la joie de l'acquisition, de l'obtention de l'objet, a éliminé l'objet. Il reste uniquement la satisfaction. La mélancolie est une forme de pressentiment. La mélancolie, finalement, c'est de pressentir que ce que vous cherchez n'est pas dans l'objet. Vous ne savez pas où se trouve ce que vous cherchez, parce que ce que vous cherchez n'est pas quelque part, ce n'est pas conceptualisable. Donc vous pressentez que ce n'est pas dans les objets, donc ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, ce n'est pas un chien, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas un voyage, ce n'est pas une tradition spirituelle, ce n'est pas une expérience, ce n'est pas une acquisition qui va me donner ce que je cherche. Mais je ne sais pas où aller, parce que je peux uniquement aller vers un objet, parce que ma manière de fonctionner cérébralement, je peux uniquement me diriger vers un objet. Donc, quand il y a une forme de maturation, qu'on peut appeler la grâce, où j'ai cette intuition absolue, non négociable, que ce que je cherche n'est pas dans les objets, mais je ne sais pas où ça se trouve, puisque ma manière de penser ne me permet que de penser à un objet. À ce moment-là, toutes les énergies de l'état de veille et de l'état de rêve, qui étaient avant dirigées dans la course vers les objets, vers les situations favorables, positives, cette énergie va revenir sur cette intimité de pressentiment de quelque chose qui n'est pas formel. Et c'est cette intimité avec ce non formel qui est l'entrée, on va dire, dans la démarche intérieure, dans la démarche interne. Et cette mélancolie va s'épurer des objets auxquels au début je lis la mélancolie. Au début je pense que c'est peut-être une femme, c'est peut-être un chien, c'est peut-être une voiture, c'est peut-être un homme,
C'est peut-être un enfant, c'est peut-être un voyage qui me rend mélancolique, ou l'absence de ces choses-là qui me rend mélancolique. Et puis, quand cette intuition va se développer, je vais me rendre compte, non, ce qui me rend mélancolique, c'est cette joie que je sais ne pas être dans les objets, que néanmoins, des fois, j'expérimente après avoir un objet, et dont j'ai la preuve expérimentale que quand j'expérimente cette joie, l'objet a disparu. Et donc, ce pressentiment va se. Cette mélancolie va devenir pressentiment, et puis ce pressentiment va devenir une intuition, et à mon avis, cette intuition va vous amener directement vers l'essentiel, de manière non volontaire. Et là, c'est vraiment un transfert d'énergie, des énergies, on va dire, vers l'extérieur, vont se concentrer, mais pas comme les malheureux qui font du yoga, pas une concentration. Volontaire, intentionnel, comme chez Patanjali, mais une concentration naturelle. Il n'y a plus de déperdition d'énergie vers les situations objectives. Et les énergies vont revenir se déposer dans le bassin, se déposer dans la base de la vie. Et quand ces énergies sont vraiment au repos, sans la moindre dynamique vers quelque chose, on peut dire la grâce qui s'est déjà actualisée sous la forme de. Cette mélancolie va ensuite s'actualiser sous la forme de l'éveil de cette énergie, qui va se révéler sous forme d'intuition, de pressentiment, de révélation. Donc c'est ce travail qui est tout à fait non volontaire, qui est purement un problème de maturité. C'est normal à un moment donné de chercher ce que je cherche dans les situations, dans les objets. Et c'est normal aussi quand quelqu'un mûrit finalement de se rendre compte que ce que je cherchais pas dans les objets. Donc, il y a un peu de transfert d'énergie, et ce transfert d'énergie, c'est finalement l'objet de ce qu'on appelle une démarche spirituelle. Pour faire suite à ce que vous venez de dire, quelle place la Kundalini peut-elle avoir dans notre démarche? Pas avoir des secrets ésotériques, mais dans l'approche dont vous parliez précédemment. Vous savez, la Kundalini, c'est une représentation. Les Indiens ont représenté sous une forme d'un cobra 3,5 fois levé autour d'un lingam à la base de la colonne. Mais si vous allez en Afrique, Bénin, vous allez voir que les représentations dans ces régions-là, c'est un petit lézard qui va sur le sommet des masques africains. C'est inutile de se poser la question, est-ce que c'est un serpent, est-ce que c'est un lézard? Non, c'est pas un serpent, c'est pas un lézard. C'est une énergie interne qui peut être décrite de manière expérimentale des fois sous telle ou telle forme. Les chrétiens ont une manière de décrire, les taoïstes ont une autre manière. Les Indiens ont employé le mot Kundalini. Mais c'est pas quelque chose. Donc il y a. C'est-à-dire quand l'énergie devient ascendante, il y a un ressentiment corporel qui, sur un certain plan, on peut décrire ça comme il y a un mouvement sinueux de l'énergie. Voilà, mais il ne faut pas prendre à la lettre. C'est vraiment une représentation et qui a sa limite parce que cette énergie doit devenir ascendante, mais ensuite, toutes les énergies doivent se résorber, se redéposer dans le cœur. Et quand par exemple vous avez une intuition profonde, l'intuition de. Par exemple, je me rappelle mon ami Terence Gray qui signait des livres, ses livres sous le nom d'auteur de Weiwei. Quand je l'avais rencontré la première fois, on avait un peu parlé de sa vie. Et je lui ai dit, voilà, alors qu'est-ce qui vous est arrivé? Il m'a dit, ce qui m'est arrivé, c'est qu'à 60 ans, je me suis réveillé un matin avec la conviction de jamais être né. Et donc après, j'ai cherché s'il y avait d'autres personnes qui vivaient cette même évidence. Quand il a eu ce pressentiment profond de jamais être né, on voyait toute l'énergie était ascendante chez lui. Mais lui n'a jamais ressenti quoi que ce soit corporellement. Pourquoi? Parce que son corps n'était pas. C'était un grand amateur d'alcool, de cigares, de vin, etc. C'était un très grand spécialiste du vin. Et voilà, dans son corps qui était, on va dire, relativement opaque, lui a pas amené
ce ressenti. S'il avait eu une vie plus ascétique, etc., peut-être qu'il aurait décrit ce moment de l'intuition sous la forme d'une montée de l'énergie. Donc c'est une transposition sensorielle, mais nous on n'en met pas l'accent du tout là-dessus, parce que ça crée des formes d'imaginaire, et ça crée surtout une espèce de dynamique intentionnelle. Les gens veulent éveiller leur kundalini. Ça ne marche pas comme ça. C'est quand le. Finalement, l'énergie est naturellement ascendante dans le corps. Quand l'énergie est descendante, horizontale, c'est qu'il y a des blocages. Ces blocages sont naturels. Donc, dans les voies progressives, on a cette fantasme de vouloir éliminer ces blocages pour que l'énergie devienne ascendante. Pour nous, c'est une forme fascisante de voir le monde. C'est une forme de violence. Dans la démarche directe, on ne cherche pas à éveiller l'énergie, mais on amène le corps et le psychisme à trouver une forme de détente, de vacuité organique. Et quand le corps se défend plus, quand le psychisme se défend plus, quand le psychisme n'affirme plus, ne défend plus, l'énergie va naturellement retrouver son cours ascendant, sans que ce soit un événement en soi. Donc c'est que dans les démarches progressives où l'énergie est bloquée par la peur, par le désir, par l'anxiété, qu'il y a cette espèce de dynamique vers un éveil d'énergie, on va employer ces expressions-là. On va trouver ça beaucoup dans les écoles nat, par exemple, qui sont très intentionnelles. Donc c'est une manière de voir des choses de l'Inde, ça fait partie de la tradition. On peut décrire ces choses-là intimement, mais pour beaucoup de gens, ça amène une forme de confusion. Ce qui est plus important, c'est pressentir que ce que je cherche n'est pas un objet. Quand je comprends profondément que ce que je cherche n'est pas un objet, ce déclic peut être vécu chez certains comme un éveil d'énergie. Mais vouloir artificiellement éveiller son énergie par des techniques, etc., dans un psychisme qui vit dans la confusion, qui croit encore à l'existence objective du monde, c'est très, on peut dire dangereux, parce que ce qui arrive est nécessaire, mais ça peut créer pas mal de confusion, et on peut rencontrer en Orient des gens qui ont essayé volontairement de vivre ce qu'ils ne vivaient pas naturellement, et souvent le résultat n'est pas très pacifié, on va dire. Donc nous n'avons aucun accent dans cette dynamique d'éveiller une quelconque énergie, mais que si le désir vous quitte, si la peur vous quitte, si la stratégie vous quitte, si la défense vous quitte, l'énergie devient ascendante naturellement, il n'y a rien à éveiller, il n'y a pas d'exercice pour ça, c'est une simple disponibilité. La bonne raison que vous ne pouvez pas sentir et penser à la fois. Et être une personne, c'est une pensée. Donc si vous mordez violemment la langue, pendant quelques instants, vous ne pensez pas que vous êtes une personne. Il n'y a que la douleur de la langue, le sang qui va couler dans la bouche, la chaleur du sang, le goût du sang, toutes les ramifications tactiles qui vont vous occuper. C'est que plus tard que vous allez dire, je suis un imbécile, je me suis encore mordu la langue, etc. Mais pendant l'expérience sensorielle, il n'y a pas de pensée. Et donc, vous dites, le corps devient sensible. Effectivement, quand le corps devient sensible, vous ne pensez pas. Quand vous avez une nouvelle amante, vous faites l'amour au début, vous ne pensez pas. Au bout de certains temps, quand on rentre dans des schémas, soit vous mettez à penser à la voisine pendant que vous faites l'amour avec cette personne. Mais au début, non, il n'y a pas de moment de pensée. Pourquoi? Parce que vous êtes purement tactile. Donc c'est quand la sensibilité s'émousse que la pensée intervient. Donc c'est dans ce sens-là.
Mais ne le prenez pas comme une technique. L'écoute ne doit pas être vue comme un moyen. Il n'y a pas de moyen. Tant que la croyance en la personne est là, elle est nécessaire. C'est le moyen de survivre. C'est ce qui empêche d'aller à l'hôpital psychiatrique. À un moment donné, il y a certaines peurs qui disparaissent. Et donc, les peurs qui nécessitaient cette croyance font que cette croyance disparaît. Il ne faut surtout pas essayer de lever cette croyance parce que. Il y a des gens qui croient au Père Noël, il y en a qui croient à la démocratie, il y en a qui croient à l'écologie, il y en a qui croient en Dieu. Il n'y aurait pas assez d'asile de place dans les asiles psychiatriques si on mettait en question ces croyances. Donc chacun garde ses croyances, mais à un moment donné, je ne crois peut-être plus au Père Noël. Et voilà, sans aller à l'hôpital psychiatrique, ça me quitte naturellement. Et après, il y a d'autres croyances qui vont me quitter naturellement. Il y en a qui croient à l'amour, il y en a des tas de croyances extraordinaires. Mais quand elles sont là, elles sont nécessaires. Il ne faut jamais mettre en question la croyance de quelqu'un, elle est nécessaire, jusqu'au jour où elle ne l'est plus. Donc c'est vraiment comme ça. Donc, voyez pas l'écoute comme un moyen, mais c'est une intimité qui est de plus en plus là. Et l'écoute de voir son arrogance, de voir ses peurs, de voir ses limites, ça doit devenir vraiment le cœur de la vie. Et c'est uniquement quand vous voyez vos propres limites que vous pouvez comprendre les limites de l'environnement, parce qu'on est tous pareils. Et donc ça crée une très grande convivialité avec l'environnement, parce qu'on est exactement pareil. Donc quand je connais mes peurs, quand je les rencontre, je suis dans l'environnement, ben oui, j'ai exactement les mêmes peurs. Donc ça crée une facilité de non-séparation avec l'environnement. C'est uniquement celui qui croit être différent qui se sent incompris, qui se sont séparés, qui se sentent qui n'arrivent pas à communiquer. Puis quand on se rend compte qu'on est tous pareils, ça a une immense facilité de vivre. Et quand je vois ma peur, elle quitte sa caractéristique pathologique de peur. Elle va rester une peur occasionnelle, mais l'élément dramatique, l'élément psychologique, l'élément qui empêche de vivre de l'émotion va se quitter. Quand vraiment on devient sensible à l'élément tactile de l'émotion. Mais ça va rester quand même. Mais donc, vous voyez pas l'écoute comme un moyen. C'est quelque chose de plus intime que ça. C'est. Vous n'avez pas besoin de vous forcer à écouter la pluie. Quand vous sortez, vous n'avez pas besoin de vous forcer à sentir la pluie sur votre visage. C'est ce qui est le plus naturel, l'écoute. Il n'y a personne qui écoute. L'écoute, c'est ce qui est naturel. La souffrance est psychologique. Elle vient de l'imaginaire de la relation avec l'environnement. La douleur est fonctionnelle. Si un crocodile vous mord la jambe, que la jambe se rétracte, que la jambe qui est une douleur, qui se déploie dans votre cerveau, c'est ça qui vous aide à survivre. C'est la douleur qui permet la survie du corps. S'il n'y avait pas de douleur, on serait mort. Quand vous mettez la main sur une flamme, c'est parce qu'il y a une douleur que vous levez la main. Donc la douleur permet la survie. C'est la nature même du corps. Mais la souffrance psychologique, c'est quelque chose qui s'est ajouté. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessaire, mais c'est respectable. Donc dans notre approche, on n'essaie pas de changer la souffrance psychologique, mais on essaie de devenir très intime avec. Donc vous dites, si quelqu'un vous quitte, vous avez une souffrance, on vous demanderait presque d'explorer tactilement cette souffrance, c'est-à-dire de lui trouver une couleur, de lui trouver un goût, de lui trouver une odeur, de lui trouver une localisation dans le corps, et de commencer à devenir intime avec le ressenti de cette souffrance, dans le sens où si votre chien vous demande comment tu sais que tu souffres, vous allez lui dire je le sens, donc vous le sentez dans votre corps. Et voilà, nous on devient amoureux sur un certain plan de ressentir l'émotion. Et si on a une souffrance, quelle que soit la cause, on va explorer comment le corps ressent cette souffrance. C'est une exploration. Mais ce n'est pas une solution, l'approche dont on parle ici n'est pas une approche thérapeutique. Donc on prétend aucune amélioration thérapeutique. Mais simplement le fait de sentir une émotion va lever les éléments les plus perturbateurs de l'émotion.
Il va vous permettre de fonctionner. C'est un peu comme quand vous avez peur, vous ne sentez rien, mais quand vous sentez la peur, l'adrénaline va être plus efficace, vous allez courir plus vite, vous allez. Voilà. Donc, sentir la peur vous amène à une fonctionnalité de la vie. Avoir peur vous empêche de bouger. Donc, c'est dans ce sens-là où on va mettre l'accent sur le ressenti de l'émotion. En chemin vers soi, vers cette maturation, l'amour pour son conjoint, sans compter toute forme d'attachement, mais l'amour pour son conjoint ou l'amour d'un enfant, peut-être une forme de tremplin vers soi finalement. Tout est un tremplin vers soi parce que vous rencontrez que ce qui est nécessaire à votre maturation. L'amour de votre femme ou la haine de votre femme, les deux sont ce qui est nécessaire quand c'est là. Donc, mais c'est pas une chose qu'on peut fabriquer. Et puis petit à petit, l'amour de quelque chose va s'élargir. Vous aimez votre enfant, mais si on vous met un autre enfant dans les bras, vous allez vous rendre compte que vous l'aimez autant. Et vous aimez votre femme, et si une voisine tombe dans vos bras et si elle est agonisante, vous allez voir que vous l'aimez autant. Donc, vous ne pouvez pas faire les devoirs de tous les enfants du monde, vous ne pouvez pas coucher avec toutes les femmes du monde, mais ce n'est pas pour ça que vous aimez moins les autres que soi-disant les vôtres. Ce qui est là, on l'aime, pourquoi? Parce que c'est là, c'est naturel. Donc, ce n'est pas quelque chose. Mais l'amour n'est pas pour nous un moyen, c'est simplement le. Si vous aimez votre femme, si vous aimez votre enfant, si vous aimez vos voisins, si vous aimez la société, si vous aimez votre environnement, c'est sur un certain plan que vous avez renoncé à une forme de sécurité personnelle, parce que dans l'amour on donne tout, on ne demande rien. Donc c'est une forme de lâcher prise de la personne finalement. Celui qui veut être aimé ne connaît pas l'amour, mais celui qui aime. On va dire, c'est l'émotion la plus proche du lâcher prise d'aimer. Quand vous avez un enfant, vous lui donnez tout, vous ne lui demandez rien. La personne n'est pas présente dans l'amour. Vous êtes libre de vous-même en tant que personne quand vous aimez. Mais aimer, c'est donner, c'est jamais demander. Si par contre je demande la réciproque, si je demande à être aimé, alors ça c'est un manque d'amour. Et c'est respectable aussi. Je dois me rendre compte. C'est l'ego qui veut être aimé. S'il y avait un lien entre cette forme-là d'amour et un amour qui serait plus inconditionnel, en fait, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais qui encourager un processus de reconnaissance de soi. Quand vous aimez un enfant, quand vous avez un enfant, vous l'aimez, c'est pas pour la reconnaissance de vous-même, c'est parce que finalement la nature des choses, c'est l'amour. Quand il n'y a pas un problème psychologique, dans une situation, on aime ce qui est là. Pourquoi? Parce que c'est la réalité. Quand vous sortez sous la pluie, vous aimez la pluie. Pourquoi? Parce qu'elle est là. Je ne peux pas faire autrement. Ce qui est là est indispensable. Donc l'amour non romantique est une expression du lâcher prise. Et effectivement, quand vous aimez très fortement quelque chose, ben, vous vous oubliez. Et cet oubli, oui, c'est une forme de maturation. La plupart on voit ça chez les gens un peu jeunes. Bon, une femme, une jeune fille à 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, qui vit encore chez ses parents, mais. Elle est un peu le centre de l'amour de ses parents. Donc, quand il y a un gâteau au chocolat, les parents vont naturellement donner à la jeune fille le plus gros morceau et elle le sent comme ça. Et puis, cette jeune fille va trop en boîte de nuit, elle tombe enceinte. Et quand elle va tomber enceinte, très vite, quand elle va avoir un enfant, elle va s'apercevoir qu'à table, alors là, l'exemple du gâteau au chocolat est mal trouvé parce que si elle a un sens diététique, elle ne se serait pas, mais oublions son sens diététique, elle va s'apercevoir qu'elle va être plus heureuse de donner le plus gros morceau
de torte au chocolat à son enfant qu'à elle-même. Donc ça va s'apercevoir que c'est donner qui rend heureux, alors que jusque-là elle croyait que c'était le recevoir qui rend heureux. Donc c'est ce processus qui est organique. Donc oui, ce processus aide à une forme de lâcher prise de soi-même, naturellement. On ne peut pas le cultiver, mais on peut voir justement combien on n'aime pas, combien on prétend, combien on. Des gens qui souffrent par amour, il y en a qui tuent par amour. Voilà, il faut voir combien on est dans une espèce d'histoire. Je t'aime, mais si tu fais ça, je t'aime plus. C'est du commerce, c'est pas de l'amour, c'est respectable parce que beaucoup de gens fonctionnent comme ça. Mais je dois voir le. L'amour, c'est une forme d'honnêteté. Et l'honnêteté, c'est de voir que. Il n'y a rien à demander. Quand je demande, c'est un manque d'amour. Donc, quand vous avez une relation avec quelqu'un, votre relation, c'est totalement aimer la personne et de jamais rien demander. Si je demande, c'est pas un manque d'amour. C'est pas grave, c'est pas une critique, mais je dois me rendre compte que ma demande vient d'un manque d'amour. Ça s'arrête là. Et puis, il y a des moments où je suis plus détendu, je suis plus dans l'ouverture, et je vais totalement aimer ce qui est là sans rien demander. Et là, je trouve mon équilibre, je trouve ma joie. Et puis il y a d'autres moments, je reviens à moi-même et je veux quelque chose, j'attends, j'espère quelque chose, j'exige quelque chose. Et là, je vis ma souffrance, je vis ma séparation, ma frustration constante. Donc la maturation, c'est de voir ces mouvements en nous, sans le moindre commentaire. Je ne peux pas changer ça. Quand je suis jaloux, je ne peux pas ne pas être jaloux. Mais je peux voir que je ne suis pas jaloux par amour, je suis jaloux par ego. Voilà, il faut être uniquement clair. C'est la clarté qui amène la maturation. Mais si je raconte une histoire que j'aime tellement cette personne que. Si elle couche avec quelqu'un d'autre, j'ai envie de la tuer, ou ça me rend terriblement triste, je me rends compte à ce moment-là, c'est pas de l'amour, c'est de la préhensivité, c'est respectable, mais il faut être clair. C'est la clarté qui amène la clarification. Entre l'empathie sèche et l'empathie humide, enfin, comment on fait pour être empathique sans être touché personnellement par. Vous savez, vous ne pouvez pas décider quoi que ce soit dans votre vie. Vous ne pouvez pas décider d'être attristé par quelque chose, exalté par quelque chose, révulsé par quelque chose ou stimulé par quelque chose. Donc le problème ne se pose pas. Il ne peut pas avoir une manière d'être artificielle. C'est la situation qui va vous révéler votre empathie, votre dégoût, votre attraction, votre stimulation, votre excitation, votre condamnation, votre approbation. Vous n'êtes pas maître de ce que vous sentez. Donc, il s'agit uniquement de faire connaissance avec votre fonctionnement. Et les situations, votre affection est claire, elle est sans attente, elle est froide, on va dire. Il y a d'autres moments où vous êtes plus affectif, vous êtes plus touché par la chose. Simplement rendez-vous compte, voilà, que ça vous touche. C'est pas une critique. Il ne s'agit pas de devenir comme un poireau insensible. Il s'agit de voir intimement comment on fonctionne. Au plus vous voyez votre fonctionnement, au plus vous allez constater, mais oui, cet après-midi, j'étais vraiment à l'écoute d'une situation, j'ai pu être fonctionnel, et puis un autre jour, j'ai été moins fonctionnel parce que j'étais touché par la situation, donc ça m'a empêché de voir clairement, de penser clairement, d'agir clairement. Il n'y a pas de commentaire à faire, je décide pas de mes capacités. C'est comme si vous voyez, vous sortez d'ici, vous voyez un petit enfant se faire écraser par un camion, il y a des gens qui s'évanouissent, il y en a au contraire, l'adrénaline monte en eux, ils vont agir, etc. Il y en a qui vont. Pendant 3 mois, penser aux pieds écrasés qu'ils ont eu qui sont sous le pneu. Il y en a qui vont jamais plus y penser. Vous ne décidez pas de tout ça. Vous êtes obligé de vivre avec votre fonctionnalité. Donc on ne décide pas de nos propres capacités. Donc il n'y a jamais de place pour un élément artificiel dans les relations. Vous voyez comment vous fonctionnez amoureusement. Amoureusement, c'est-à-dire de. Oui, il faut aimer son fonctionnement. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien d'autre. Vous n'avez jamais rencontré autre chose dans votre vie que votre propre fonctionnement.
Donc vous êtes né pour l'aimer. Et voir, et l'aimer veut dire voir à quel point constamment vous le détestez, constamment vous le jugez, constamment vous, je n'aurais pas dû être comme ça, j'aurais dû être plus comme ça, je devrais être plus comme ça, qu'est-ce que je peux faire présentement comme ça? Je passe ma vie à me condamner et donc à condamner les autres parce que je traite les autres comme je me traite moi-même. Et si vous voulez arrêter de condamner les autres, il faut arrêter de se condamner soi-même. Et c'est-à-dire simplement voir son fonctionnement. Et quand je vois mon fonctionnement sans commentaire, vous allez voir comment ce fonctionnement est non problématique. C'était uniquement dans mon imaginaire que mon fonctionnement était pathologique, était réactif. Non, ce qui arrive, arrive. Il n'y a pas d'accident dans la vie. Quand il pleut, il doit pleuvoir. Quand il y a une sécheresse, il doit faire sec. C'est nous qui disons, ça aurait pas dû, ce serait mieux, mais parce qu'on ne voit pas les choses de manière globale. Et par rapport à notre propre fonctionnement, c'est la même chose. On pense qu'on devrait être comme ça, on devrait être moins comme ça, plus comme ça. Non, vous devrez être exactement comme vous êtes. Vous devez accepter votre corps comme il est, pas comme il devrait être, pas comme il aurait pu être. Vous devez accepter votre psychisme comme il est, pas comme il pourrait être, pas comme il aurait pu être. C'est uniquement là que la maturation commence à vivre en nous. Vous savez, ça se fait naturellement. Il n'y a pas d'effort pour ressentir. Celui qui veut ressentir, c'est déjà qu'il a un pressentiment. La plupart des gens n'ont pas cette notion et donc ça leur manque pas. Et puis un jour, vous allez vous rendre compte que vous ne sentez pas. Et quand vous vous rendez compte que vous ne sentez pas, c'est le début du ressenti. Voilà, c'est de voir son manque de sensibilité qui est l'ouverture à la sensibilité. Donc il ne s'agit pas de faire des efforts pour sentir de plus en plus, ça c'est totalement imaginaire. Mais simplement de voir combien, généralement, je ne sens pas. Je ne sens pas parce que je pense. Je suis toujours en train d'une situation de pensée. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, qu'est-ce qui est mieux pour moi, qu'est-ce qui est moins bien pour moi, etc. Et quand je suis vraiment dans un moment de non-pensée, il y a puis une écoute qui est tout à fait organique. Donc, cherchez pas de sentir, ne faites pas ça comme un combat. Non, mais rendez-vous compte intimement de votre fonctionnement, ça se fait tout seul. Vous rentrez chez vous, vous ouvrez la porte de votre chambre, et il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais senti la poignée de leur chambre. Que c'est du plastique, que c'est du bois, c'est du métal, c'est chaud, c'est froid, c'est lisse, c'est rugueux, c'est ça. On le sent. Vous regardez votre chambre toujours de la même direction. Et tu vois, dans un autre angle, regardez la chambre. Regardez votre chambre comme vous la voyez pour la première fois. C'est ça, finalement, regarder. Se rendre compte que je ne regarde pas les choses, je projette. J'ai un mari, je ne regarde pas, je le connais. J'ai un enfant, il est comme ça, je le connais. Mon corps, je le connais. Non, on ne connaît rien. On a simplement des images qu'on a. Est-ce que je peux simplement ressentir le corps comme si c'est la première fois que je le sentais? Que je peux regarder mon chien, mon mari, mon enfant, comme si c'est la première fois, sans savoir, sans le fantasme de savoir quoi que ce soit. L'ego pense toujours qu'il sait quelque chose, mais on ne sait rien. On projette des choses. Vous ne pouvez rien savoir sur votre enfant. Vous pouvez le découvrir à chaque instant, c'est tout ce que vous pouvez faire. Vous ne pouvez rien savoir sur votre corps. Qui pense avoir quelque chose que son corps vit dans la mémoire, mais le corps est neuf à chaque instant. Donc c'est simplement cette créativité de l'exploration qui, pour certains, va s'imposer, pour d'autres, non. Pour la plupart des gens, ça ne fait pas partie de leur vie et ça ne leur manque pas. Mais pour certains, ça devient un peu comme un artiste qui va automatiquement voir de manière artistique, finalement, la perception. C'est pas un choix d'être artiste, un peintre, mais toujours en proportion, toujours. C'est pas une décision. Donc, il n'y a jamais de dynamique vers quelque chose dans une approche traditionnelle. C'est simplement de vivre en accord avec l'évidence qui s'incarne dans l'instant, tout simplement parce qu'il n'y a rien d'autre. Tout le reste est imaginaire.
c'est libre arbitre en nous, ou juste là pour faire les fameux du corps? Libre arbitre est une invention des politiciens pour vous faire croire qu'il faut voter pour eux. Mais ça n'existe pas. C'est une invention des chrétiens après le Concile de Trente pour vous vendre des pardons. Il fallait bien vous culpabiliser. Et vous êtes responsable de quoi? Vous avez choisi votre sexualité? Vous avez choisi de préférer la musique carnatique à la musique classique? Vous avez choisi de préférer la nourriture thaï à la nourriture belge? Vous avez choisi... qu'est-ce que vous avez choisi? Vous avez choisi votre culture, vous avez choisi vos opinions politiques, vous avez choisi de voter à droite si vous pensez que les devoirs sont plus importants que les droits, ou de voter à gauche si vous pensez que les droits sont plus importants. C'est un choix que vous avez fait. Vous avez choisi d'être communiste ou fasciste. Vous avez choisi votre religion. Qu'est-ce que vous avez vraiment choisi? Non, le choix est une... ça a une valeur pour le code civil. Il faut bien que la société ait des lois, parce que les gens sont incapables de fonctionner visiblement sans ça. Voilà, donc pour qu'il y ait des lois, il faut qu'il y ait une notion de libre arbitre, même si dans certains cas elle est atténuée par les juges. Donc ça a une valeur au niveau du code civil, mais ça n'a aucune valeur profonde. Si vous êtes psychologue, vous savez que quand vous allez en prison voir un criminel, vous savez très bien qu'il y est pour rien. C'est pas de sa faute s'il est complètement taré, c'est pas de sa faute s'il a été violé, c'est pas de sa faute s'il a uniquement un plaisir en violant quelqu'un d'autre. Il est en prison, il est en prison, on le coupe la tête, on ne coupe pas la tête, ça n'a aucune importance. Mais il n'est pas responsable de sa stupidité. On n'est pas responsable de nos limites, il y a des gens qui sont débiles, ils ne sont pas responsables. Par contre, que la société civile décide qu'il y a... Voilà, quand vous écrasez quelqu'un, vous êtes responsable, c'est tout à fait, ça me paraît légitime. Ça ne veut rien dire pour un psychologue. Mais pour un policier, pour un juge, c'est tout à fait naturel. Moi, je n'ai aucun problème avec les lois de quelles que soient les sociétés. Elles me paraissent toutes extrêmement arbitraires, mais je les comprends. Je vois aucune supérieure aux autres, mais elles ne veulent rien dire. Elles s'adressent uniquement à l'imaginaire de société, donc c'est tout à fait respectable. Mais ça n'a aucun sens profond. Vous n'êtes pas responsable de quoi que ce soit. Si ce soir rencontré, vous écrasez quelqu'un, vous n'êtes pas responsable. Si vous voyez mal, si vous n'avez pas l'envie d'acheter une voiture qui a des bons freins, s'il pleut trop, si tout ça va faire que vous allez écraser quelqu'un, bien sûr, on va vous dire que vous êtes responsable. Vous allez être légalement. Mais on n'est pas responsable psychologiquement. Quoi qu'on fasse, on ne pouvait pas ne pas le faire. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours... On ne peut pas mélanger les hiérarchies dans une société. On ne peut pas être juge, policier et thérapeute. Les juges qui sont thérapeutes sont de mauvais thérapeutes, les thérapeutes qui sont juges sont de mauvais juges, les policiers qui sont thérapeutes sont de mauvais policiers, etc. Donc il y a des fonctionnalités dans une société. Voilà, il y a des gens qui répriment, il y a des gens qui jugent, il y a des gens qui comprennent. C'est des fonctions différentes. Pour moi, toutes ces fonctions sont nécessaires à la société, mais ça implique aucunement un libre arbitre. C'est uniquement au niveau de la société civile que ces choses-là peuvent avoir un sens relatif, mais d'un point de vue de ce qui nous intéresse, le libre arbitre, c'est complètement imaginaire. C'est un conte de fées. Sur un certain plan, le cœur de la guitare, c'est quoi? C'est de... Arjuna regarde une situation de manière personnelle et en fonction de ses propres préférences personnelles, refuse de faire face à la situation. C'est ce que fait la personne. La personne aime ou n'aime pas, veut ou ne veut pas. Et que dit Krishna, qui est la conscience? Krishna lui dit « Prends ton arc et combat ». Ça veut dire que ne t'occupe pas de ce que tu sens, ça n'a aucune importance ce que tu sens. Ne t'occupe pas de ce que tu aimes, tu es en face de toi tes cousins, tu es en face de toi ton maître d'armes, tu dois combattre, tu dois les tuer éventuellement, ou te faire tuer, c'est la loi de la vie. Pourquoi? Parce que tu es un kshatriya, parce que tu as une fonction, et on est là pour accomplir sa fonction. Un kshatriya est fait pour tuer, pour une raison cosmique,
Et on ne s'occupe pas de soi-même. Donc ça, c'est le cœur de la tradition indienne. C'est exactement la même chose comme dans le Ramayana, quand Rama accepte de laisser Sita faire Sati, c'est-à-dire se jeter dans les flammes, alors dont il connaît l'innocence, mais pour le bien-être général du royaume, pour éviter que des armées ennemies, que des princes ennemis puissent penser que son honneur est compromis, alors qu'il sait qu'il ne l'est pas, il accepte que sa femme se jette dans les flammes au nom de l'impersonnalité de la vie. Rama, en tant qu'homme, n'aurait jamais laissé sa femme se suicider, mais en tant que roi, son devoir de roi passe avant son devoir d'homme, et donc il agit en tant que roi, ce qui est son rôle fonctionnel. Krishnamurti donnait souvent cet exemple, donc c'est la même chose. Tous les textes indiens ont la même conception de la vie. On fait dans la vie ce qu'on doit faire et pas ce qu'on a envie de faire. Ce qu'on a envie de faire est totalement imaginaire. Si c'est votre expérience, il ne faut pas la mettre en question. Par contre, ne vous occupez pas de l'expérience des autres qui n'ont aucun intérêt pour vous. Ce qui est important, c'est votre propre vécu. Mais vous ne limitez pas vos expériences. Parce que le psychisme, la cérébralité est immense. Et on peut toujours avoir accès à des capacités tactiles, plus grandes que d'autres, un peu comme quelqu'un qui connaît l'art de goûter le vin va déceler des arômes extrêmement subtils qu'un buveur d'eau ne pourra jamais goûter. Pourquoi ? Parce que son palais est devenu très sensible. Donc quand vous devenez sensible cérébralement, et la méditation c'est quoi ? C'est une mise au repos du cerveau. Et dans cette mise au repos du cortex, les cerveaux anciens, les rhinocéphales, panencéphales, les cerveaux mammifères vont se réveiller et ces cerveaux contiennent les traces finalement de toute la vie. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce qui arrive dans ces moments-là, mais c'est de se rendre compte que tous ces éléments se déploient dans notre attention et se résorbent dans l'attention. C'est-à-dire qu'ils sont finalement une forme une expression de la conscience. Mais ce qui est important, c'est la conscience. Donc, pour nous, la méditation n'est pas. Et pas tellement un champ d'exploration de quelque chose, mais plutôt un moment de simple présence, sans objet, on va dire. Et des fois, effectivement, il peut y avoir des apparitions, comme si vous prenez de la drogue, comme si vous faites du yoga, il peut y avoir des moments où vous allez avoir accès à des capacités mentales nouvelles, mais le cerveau est sans limite. Vous pouvez toujours voir plus, vous pouvez toujours voir des espèces plus rares, plus spéciales, des plantes plus extraordinaires, des êtres plus. Parce que ça, c'est. Tout ça, ça inscrit en nous. Donc, c'est pas important tellement ce qu'on voit. Ce qui est important, c'est de se rendre compte que tout ce qu'on voit apparaît dans l'écoute, dans la conscience, et se résorbe dans la conscience, dans l'écoute. Sinon, on peut se perdre facilement dans ces éléments-là. Mais croyez que votre propre expérience. Ça qui est important. Qu'est-ce que le yoga du Cachemire peut dire du nihilisme occidental ? C'est une forme de romantisme. C'est normal quand on a 13-14 ans, quand vous voyez vos parents qui prétendent avoir réussi, vous vous rendez compte que leur vie est misérable, quand vous voyez la société qui prétend être magnifique, quand vous vous rendez compte que les misérables, quand vous vous rendez compte que tout ce qu'on vous a vendu comme information venait de la peur, de l'anxiété, de votre environnement, que tout ce que les gens affirment comme vrai est totalement des cathédrales d'idées complètement fallacieuses, c'est normal. Quand quelqu'un est intelligent, il y a un moment de nihilisme, vous ne croyez plus en personne, vous ne croyez plus
à l'église, vous ne croyez plus à l'État, vous ne croyez plus à vos parents, vous ne croyez plus à vous. C'est tout ça. Ça fait partie de l'intelligence. Celui qui ne passe pas par une période nihiliste est souvent un imbécile. Mais il faut continuer, et ensuite le nihilisme va être mis en question aussi, parce que c'est mettre l'accent sur ce qui n'est pas intéressant. Effectivement, tout ce que vous ont dit vos parents, tout ce que vous avez appris à l'école, tout ce que vous avez lu, c'est basé sur des informations complètement superficielles et tronquées. Mais il y a autre chose. Et cette autre chose, c'est il y a un pressentiment qui va se faire, et ce pressentiment va, selon vos capacités, selon votre disponibilité, va vous orienter vers tel ou tel élément, et peut-être vous allez découvrir la beauté de la musique, ou la beauté de la danse, ou la beauté de la boxe, ou la beauté du yoga, ou la beauté de l'écriture, ou la beauté du chant. La vie est pleine de beauté qui ne nécessite aucune réflexion intellectuelle, aucune croyance, aucune savoir, mais simplement une exploration tactile, sensuelle, sensorielle, qui peut se faire toute une vie sans limite. Donc, vous voyez, le nihilisme va basculer tôt ou tard dans un élément artistique. Et là, mais quand on est artiste, on ne peut plus être nihiliste, parce que un artiste, c'est la créativité d'instant en instant, c'est-à-dire c'est la non-référence au passé. Le nihiliste vit un peu dans le passé. Il est déçu par le passé, mais le passé, c'est mort, c'est fini. L'artiste vit dans le présent. On ne peut pas être déçu qu'on vit dans le présent. L'hélice pense encore que ses parents auraient dû dire autre chose, que la société devait être différente. Non, la société, ça n'existe pas. C'est même dans l'instant présent. Dans l'instant présent, je vois mon potentiel. Mais pour faire de la boxe, pour faire de la course à pied, pour faire de la peinture, pour faire de la poésie, pour... La vie est sans limite. Vous pouvez devenir banquier, vous pouvez devenir prostituée, vous pouvez devenir policier, vous pouvez devenir trafiquant de drogue, vous pouvez devenir un gourou, vous pouvez devenir... boulanger, c'était extraordinaire. Donc vous allez être pris par votre propre capacité et suivre vos capacités sans rien demander, sans rien vouloir prouver, simplement parce qu'on est tous différents. Et quand on suit ses capacités, la vie est facile. Mais l'idylle, c'est un passage, c'est plutôt bon signe. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps, sinon c'est une forme de romantisme. La seule manière de changer, c'est d'aimer ces mécanismes. Tant que vous voulez les changer, vous serez en conflit. Il ne faut pas les aimer de manière hédoniste, il ne faut pas les aimer imaginaire, mais les aimer, pourquoi? Parce que c'est la réalité. Voilà, vous êtes comme vous êtes, vous avez un corps, il faut l'aimer. Dire je devrais être comme ça, non, vous êtes comme ça, je pars de là. L'amour, c'est une forme d'exploration. C'est explorer ce qui est là. J'explore mes mécanismes. Quand il y a la peur en moi, quand il y a la prétention, quand il y a l'agitation, quand il y a l'anxiété, je ne peux pas être différent de ce que je suis. Donc quand la peur est en moi, je ne peux pas ne pas avoir peur. Donc je ne vais pas dire je ne devrais pas avoir peur. Non, j'ai peur. Voilà. Dans la gorge, dans le ventre, dans le bas-ventre, dans le plexus. Je fais connaissance avec cette peur. Où je suis agité, je fais connaissance avec l'agitation, je suis déprimé, je fais connaissance tactilement, pas intellectuellement, tactilement avec la dépression. Voilà comment je me sens quand je suis déprimé. Je le sens. Si mon chien me demande comment si tu es déprimé, je vais lui dire je le sens. Donc vous sentez. Où est-ce qu'il y a la dépression? Dans la poitrine, dans le plexus, dans le ventre, dans le bas-ventre, dans les cuisses, dans la mâchoire, dans la nuque. Elle est quelque part, c'est parce que je dis je le sens. Donc je pars de là, donc j'explore sensoriellement ma limite. Et quand vous allez intimement, progressivement, vous approprier cette sensibilité de votre limite, vous allez voir, il y a quelque chose qui est extraordinaire qui se passe, c'est que quand je sens ma limite, je me sens plus limité. Quand je pense ma limite, je me sens limité. Mais quand je sens ma limite, quand je sens la peur, j'ai plus peur. Quand j'ai peur, je ne peux pas bouger. Quand j'ai peur, je suis bloqué. Quand je sens la peur, je bouge plus vite. Donc c'est le sentir qui me libère de l'émotion, de ce que je sens. Donc c'est toujours de revenir au senti. Mais si vous voulez changer, ça ne marchera pas. Faites des thérapies, faites tout ce que vous voulez, faites du yoga, ça ne marchera pas. Vous pouvez déplacer les choses.
Bien sûr, si vous faites une thérapie, vous avez peur des chats noirs, peut-être vous ne pouvez plus avoir peur des chats noirs, mais vous aurez peur des chats blancs. Alors si vous vivez dans un environnement où il n'y a que des chats noirs, ça peut être justifié. Mais on transpose le problème. La peur, on peut lever la. Moi j'étais longtemps dans le milieu des arts de combat. Souvent, quand les gens viennent pour apprendre les arts de combat, ils ont peur dans la rue. Et ça surentraîne la personne, on dit la plus peur dans la rue. Mais elle a peur que sa femme le trompe. Elle a peur que son enfant meure. Donc il y a toujours la même peur. On peut ne plus avoir peur de ça. Donc, si vous vivez dans un quartier défavorisé, que vous appreniez de quoi vous défendre, c'est très fonctionnel. Ça ne lèvera pas la peur, mais ce sera fonctionnel. Mais si un jour je dis voilà, je veux confronter ma peur tout court, alors là, il n'y a pas de technique pour apprendre à se défendre. Il y a uniquement comment explorer, ressentir la peur en moi. Et quand vous allez vraiment devenir intime à cette peur, et quand on est intime, on aime la chose, c'est comme ça, vous allez voir que vous n'allez plus avoir peur à certains moments. Quand je sens vraiment la peur, j'ai plus peur. Quand je sens vraiment l'agitation, je suis plus agité. Quand je sens vraiment la résistance, je résiste plus. Donc c'est pas cette exploration affectueuse du mécanisme tactile que la transformation la plus profonde peut se faire. Donc, il n'y a pas de. Nous, on ne rentre pas dans l'intelligence, dans la comprendre. Déjà, l'intelligence, on peut être plus déprimé que les autres. Donc, ça ne sert à rien. Par contre, dans l'exploration tactile, sensuelle du ressenti, des fois, il y a des flashs qui pourraient après se conceptualiser sous forme de constatations intellectuelles. Mais c'est l'avenir du ressenti. Puisque la compréhension intellectuelle n'a pas de vocation à être opérationnelle sur le plan affectif. Ouais, si vous tenez pas, il n'y a rien à lâcher. Ne le voyez pas comme quelqu'un qui sent. Ça, c'est une représentation cérébrale. Non, il n'y a que senti. Il n'y a personne qui sent. Donc, vous avez peur. Vous sentez la peur. Non, je ne peux pas dire j'ai peur. Voilà. Elle est comment cette peur? Elle est chaude, elle est froide, elle est sèche, elle est astringente, elle est claire, elle est obscure. Elle est amère, elle est salée, elle est sucrée, elle est en expansion, elle est en compression, elle est lourde, elle est légère, elle est sèche, elle est humide, c'est uniquement ça. Comme un écrivain qui prend des notes pour un nouveau personnage, voilà, il va décrire cette personne qui a peur. Comment on le décrit? Ben voilà, il sentait ça, il avait les jambes qui tremblaient, la transpiration, il avait les rougeurs, le plexus se fermait, la gorge se serrait, le ventre. C'est des sensations, simplement explorer. Sans relation psychologique, c'est la vie de sentir. Quand on va sortir tout à l'heure sous la pluie, on va sentir la pluie, ben on le sent. J'ai rien à faire. La peur, c'est la même chose. Donc, c'est vraiment organique. Je ne dis pas que c'est facile, parce qu'on a, dans notre civilisation occidentale, et on a cette habitude de tout de suite penser. Donc, j'ai peur, pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce qui me fait peur? J'ai raison d'avoir peur, je ne devrais pas avoir peur. Mais ça. Ça va pas aller très loin, on va dire. Sentir la peur, sans commentaire. Et c'est pas un exercice, c'est pas un combat. Je sens la peur, je sens un peu le plexus qui se serre un peu, puis je pense à autre chose. Tout va bien. Quand je me rends compte que je pense à autre chose, je reviens pas sur la peur. On rattrape pas les choses. Une autre fois, vous avez la télévision, vous voyez un massacre là-bas, vous voyez la peur. Super, j'ai gagné. Et je sens de nouveau, ça va aller un peu plus loin. C'est pas que le plexus, ça va également le diaphragme, et puis c'est un peu plus bas, puis ça monte également, puis c'est plus chaud aujourd'hui. Et puis je pense de nouveau à faire le marché, je pense à mon chien, etc. C'est fini. Une autre fois. Et de plus en plus, vous allez voir, ça va. Vraiment que c'est comme. C'est vraiment comme quand on goûte du vin, quand vous goûtez un vin, vous mettez le vin dans la bouche, vous mâchez le vin, vous crachez le vin, et ensuite vous laissez tous les arômes du vin. La peur peut être totalement passif. Et je laisse la caresse de la peur, et de plus en plus, vous allez déceler des micro-informations qui avant vous ne sentez pas du tout. Et pour ça, il faut être amoureux.
Si vous n'êtes pas amoureux de vos fonctionnements, ça ne va pas marcher, parce que ce n'est pas trois fois de sentir la peur qui va libérer la peur. Ce n'est pas trois fois de boire du vin qui vous donne des informations sur le vin. Il faut. Vous disiez que pour goûter le vin, il faut commencer à 4-5 ans de boire tous les jours et progressivement le palais se fait. Pour la peur, c'est un peu pareil, ça prend beaucoup de temps. Il n'y a pas à basculer. Quand vous écoutez, vous êtes écouté. Il n'y a personne qui écoute, et rien qui est écouté. C'est après, c'est uniquement après. Quand votre prochain rouge vous demande alors qu'est-ce qui s'est passé, mais vous allez dire j'ai écouté une superbe musique. Mais pendant le moment de la musique, vous ne dites pas j'écoute la musique. Quand vous laissez le goût d'une mangue se déployer en vous, vous ne dites pas je suis en train de goûter une mangue. Il y a uniquement goût. Il n'y a pas de relation sujet-objet. Dans l'écoute, c'est le basculement. Le basculement, c'est l'écoute. Il n'y a personne qui écoute, il n'y a personne qui bascule. C'est uniquement cette évidence de l'instant. Je m'excuse. Oui, mais finalement, l'écoute va devenir progressivement cette espèce de toile de fond. Il n'y a plus de. On va dire que quand vous quittez cette toile de fond, oui, à ce moment-là, il y aura une sorte de basculement pour revenir. Mais jusqu'à un moment donné où je me rends compte que même quand je ne le quitte pas. C'est uniquement une pensée, mais au niveau du ressenti, il y a toujours ce même ressenti. Non, l'écoute de la beauté est très, très importante. Abhinavagupta a beaucoup parlé de la beauté. Jean Klein parlait constamment de la beauté, de l'art. Et c'est vrai que c'est le moyen le plus direct. Mais la beauté est partout. J'ai pas besoin d'aller à l'opéra pour entendre la beauté. J'ai pas besoin de la pluie, ça suffit. Quand Ibn Arabi était à la Mecque, il y a dans Fatwa al-Mekkaya, quand il décrit ces moments, à un moment donné, il décrit il est autour de la Kaaba et il décrit le bruit des gouttes de pluie sur une gouttière. Et il dit à ce moment-là, il se rend compte que ce bruit, c'est la célébration de Dieu. Donc chaque perception, quand elle est écoutée sans lien psychologique, sans j'aime pas, ramène à la même évidence. Il n'y a pas de perception supérieure à d'autres. C'est le mental, c'est l'ego qui crée une hiérarchie, ça c'est spirituel, ça c'est vulgaire. C'est la même chose. Le souffle, c'est un peu le premier reflet de la conscience au niveau perceptuel. Donc, dans le yoga, par exemple, en partie de la respiration physiologique. Et cette respiration, quand on la laisse devenir extrêmement non manipulée, contrairement aux gens qui font du yoga, etc., qui toujours manipulent leur respiration, si vous laissez ce souffle non manipulé, à un moment donné, étrangement, quand l'expiration se finit, vous allez sentir que l'expiration physiologique se finit, il y a quelque chose qui continue. Et puis, il y a quelque chose qui revient, et cette chose va déclencher l'inspiration, puis l'inspiration monte, l'inspiration s'arrête, et quand l'inspiration s'arrête, il y a quelque chose qui prolonge l'inspiration sans inspiration. Et à un moment donné, cette chose va redescendre, et va déclencher l'expiration, donc c'est-à-dire que la physiologie respiratoire va être prise en charge par une prolongation. Et quand vous allez devenir intime à ces prolongations elles-mêmes vont amener d'autres éléments qui. Et surtout, chaque prolongation va se perdre dans le silence. Après l'expire, l'expire se meurt dans le silence. Et après l'inspire se meurt dans le silence. Et ces points d'arrêt, l'inspire et l'expire, vont devenir très très intenses. Et sans qu'il y ait la moindre dynamique, les deux points d'arrêt vont comme s'aimanter l'un l'autre. Et à un moment donné,
Il y a une unité en ces deux points et l'inspire et l'expire ont complètement cessé. Ça, c'est l'approche traditionnelle du souffle. Mais c'est totalement organique, il n'y a pas de technique pour ça. C'est vraiment uniquement une forme d'abdication. On va abdiquer l'expiration, l'expiration vraiment ramène à la conscience pure. Il n'y a pas le moindre dynamique d'inspirer. L'inspiration, c'est comme une célébration. C'est le repos, c'est comme un déploiement d'énergie dans l'espace-temps. Et l'expiration, c'est un sacrifice. Tout ce qui vous a été donné, vous le rendez. Et nouveau, tout se meurt dans le silence. Donc, à un moment donné, ce jeu du souffle, ce jeu de l'énergie, va être vu comme une forme de célébration. Et donc, toutes les approches du souffle sont un peu tournées autour de cette dynamique. Dans le souffle. Et quand vous écoutez le souffle de quelqu'un, si vous allez en Inde apprendre le yoga traditionnel, on ne s'occupe pas des poses. Les poses du yoga, c'est une invention moderne, ça n'existe pas traditionnellement, on s'occupe uniquement du souffle. Donc la personne qui vous enseigne vous demande d'expirer, elle se met à côté de vous et écouter l'expiration. Moi, je me rappelle quand je travaillais individuellement avec Jean Klein, il se mettait à côté, il écoutait. Il venait d'expirer, il écoutait. Et uniquement à l'écoute de l'expiration, il décelait pour les problématiques, les ajournements, etc. Comme le souffle est comme une écriture, un graphologue va voir tout ce qui est projection, tout ce qui est référence au passé dans l'écriture. Le souffle, c'est encore plus précis qu'une écriture. Donc, quand on apprend à écouter son propre souffle, ensuite on peut écouter le souffle de quelqu'un d'autre, on va déceler les mêmes... toutes les caractéristiques sont dans le souffle. Donc oui, quand on écoute le souffle de quelqu'un, on connaît son fonctionnement. Mais pour le début de notre question, ne créez pas d'imaginaire de voie spirituelle, ces choses-là, c'est vraiment romantique, ça n'existe pas. Vous savez, on va sortir tout à l'heure dans la rue, il y en a certainement quelques d'entre nous qui vont se faire écraser. Donc on n'a pas le temps de suivre une voie spirituelle. La vie elle est sur l'instant. Ce qui est important, c'est ce qui se passe maintenant. C'est maintenant que tout se joue. Il n'y aura jamais d'autre moment que maintenant. Donc il y a des perceptions subtiles, il y a des choses bien sûr qu'avant vous ne sentiez pas, aujourd'hui vous sentez bien sûr. Mais mettez l'accent sur l'intensité de l'écoute. Mais ne rentrez pas de dire je vais être de plus en plus subtil et puis de progression qui était tout à fait une chose imaginaire. La vie, elle est maintenant. Le temps, c'est comme un concept. Il n'y a pas de temps pour accomplir quoi que ce soit. Il faut quitter ce fantasme de l'ego qui veut accomplir, qui veut réussir, qui veut arriver à quelque chose. C'est le monde capitaliste. Il faut laisser ça aux hommes politiques. Nous, on ne veut pas arriver, on ne veut pas être élu, on ne veut pas être... On veut rien du tout. On veut se donner totalement l'intensité du moment. Tout le reste, c'est vraiment du romantisme. Il y a des romantismes très élaborés conceptuellement, mais c'est quand même du romantisme. L'intensité de la vie, elle n'est que sur l'instant. Elle n'est pas dans le temps. Le temps est mort. Il n'y a rien dans le temps. Le temps ne peut pas vous amener à quoi que ce soit. Demain n'existe pas. Ça n'existera jamais. C'est maintenant, donc, quand ces perceptions sont là, vous les accueillez, mais... Rendez-vous compte, elles apparaissent en vous, elles disparaissent en vous, sans jamais vouloir préciser ce que peut dire ce mot vous, qui ne veut rien dire, ça ne veut rien dire, ça va rester comme ça. Et ça devient de plus en plus tangible, de plus en plus essentiel. Est-ce que vous pensez que l'obstacle à la présence est une illusion, du coup? Parce que vous parlez tout à l'heure de... L'obstacle à la présence, c'est le cadeau pour pressentir la présence. Il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a que... Tout ce que vous voyez, c'est ce qui a été choisi, mais pas choisi de manière personnelle, par la vie pour vous ramener à vous-même. Il n'y a pas d'obstacle. Même ce que je vis sur le moment comme étant un drame, ce n'est pas un obstacle, c'est ce qui est indispensable.
Quand il pleut, il y a des gens qui vont se noyer. Ben, pour eux, c'est un drame. Mais il faut qu'il pleuve. C'est la vie. Quand il pleut pas, il y a des gens qui meurent de soif. Quand il pleut, il y a des gens qui se noient. Il faut qu'il y ait des sécheresses, il faut qu'il y ait des pluies, il faut qu'il y ait des accidents dans la vie, il faut qu'il y ait des moments difficiles. Tout ça, ça concourt à notre maturation. La différence entre un enfant idiot et un enfant créatif, c'est quoi? C'est tous les conflits qu'il a eus. Donc en plus, il y a des conflits. En plus, il y a une chance pour grandir ensuite. Chacun a sa limite, il y a des conflits qu'on ne peut pas gérer. Mais le corps est fonctionnel, le corps, tout est bien organisé. Si c'est trop, vous évanouissez. Si c'est encore trop, le cœur lâche, tout va bien. Donc il n'y a pas de... Tant que vous êtes vivant, vous pouvez faire face à ce qui est là. Vous ne pourrez plus faire face, vous serez mort. Donc il n'y a pas d'obstacle. Tout ce que vous rencontrez dans votre vie, c'est que des cadeaux, mais pas des cadeaux dans le sens psychologique, dans le sens que c'est vraiment calibré pour vous. On pense toujours que non, ça c'est trop pour moi, ça je peux pas. Non, non. Si c'est là, on peut pas de la manière dont on voudrait peut-être. Personne ne vous dit que vous pouvez accepter ce qui se présente. Mais vous pouvez voir que vous ne l'acceptez pas. Vous pouvez sentir combien vous ne l'acceptez pas. Et de sentir combien vous ne l'acceptez pas, c'est ce qu'on appelle l'acceptation, fonctionnellement. Pas dans le sens chrétien, bien sûr, dans le sens oriental du terme, ce qu'on appelle le pranayanihotra, qui est l'offrande du sou dans le feu, dans le sacrifice védique. Le rishi offrait, le ghee, qui représente finalement la vie individuelle, offre au feu qui représente la conscience universelle. Dans le sacrifice, c'est un sacrifice, mais c'est le sacrificateur qui se sacrifie finalement. Même de la chameda, les sacrifices des chevaux, dans le temps ancien, quand vous regardez les textes anciens, c'est celui qui fait le sacrifice se sacrifie. C'est une offrande. Ça n'a pas le côté misérable que les chrétiens ont donné au sacrifice, ou les juifs, sacrifice terrible, difficile. Non, c'est une offrande, c'est beau, c'est la mort, c'est ce qui vous libère. L'expiration, c'est ce qui vous libère. C'est la fin de la peur. La peur l'empêche, mais sinon, c'est la fin de la peur, l'expiration. Donc, c'est un sacrifice dans le sens que tout ce que vous recevez dans la vie, il faut le rendre, finalement. Vous recevez la beauté, vous recevez la jeunesse, vous recevez l'argent, vous recevez le succès, et tout ça va partir. Vous devenez vieux, vous devenez pauvre, vous devenez malade. Donc, tout ce que la vie, c'est un cadeau pour découvrir tout ce que vous avez, à un moment donné, il faut le rendre. Et l'expiration, on rend sciemment l'expiration, qui est une offrande de nos limites à l'illimité. Donc, l'expiration, c'est une. Vous offrez ce que vous n'êtes pas à ce que vous êtes. Vous offrez la limite à l'illimité. Le moment avant le sacrifice. Le moment avant l'expiration. Alors, Abhinavagupta considère ce moment exactement comme étant le moment après. C'est-à-dire, c'est le sandhya, c'est deux points de contact direct avec la conscience. Jean Klein, lui, le vivait, le formulait en disant, il y a cette inspiration, c'est le corps secret, le monde secret. Ensuite, il y a la rétention, on s'étale, on étale l'énergie dans toutes les directions. Qui pratique le yoga pendant la rétention, on va... Donc le souffle monte, mais rassemblante à l'inspiration. Et pendant la rétention, on étale le souffle dans toutes les ramifications du corps, de l'espace. Donc c'est une prolongation de l'inspiration. Et ensuite, tout ce qui a été exploré, tout ce qui a été perçu, va se mourir, va se complètement à l'expiration. Mais Abhinavagupta, lui le voit quand on lit le chapitre 6 dans ton Traloka, le chapitre sur le temps, lui le voit comme étant identique. Et il n'y a pas de séparation. C'est les deux sont une manière de dire la même chose. Pour le yogi, qu'on est plutôt, nous, dans l'approche de Jean Klein. Mais ce qui est important, c'est que ces deux points deviennent un. Moi, la première fois que j'ai vu ça, c'était en rêve. Et je voyais comme une lune pleine.
la lune noire en bas, la lune pleine en haut, la pleine lune. Et puis il y avait l'inspire, l'expire, comme deux, comme un peu comme un ascenseur de lumière qui montait, qui descendait, puis ça montait un peu moins, ça descendait un peu moins. Je voyais les deux lunes qui se rassemblaient. Et on dit qu'il y avait une seule lune, qui était simultanément la pleine lune et la lune noire. C'est difficile à expliquer, mais c'est mieux comme ça. Il n'y avait plus ni inspire ni expire. Peut-être même élément. Ceux qui approchent du yoga traditionnel ensuite vont le flirter avec ces éléments dans l'approche du souffle. Bien sûr, le monde est uniquement souffle. Regardez un objet tactilement, vous prenez un objet dans la main, ça respire. Il y a un rythme, il y a un souffle. N'importe quel objet, vous prenez un objet traditionnel, un objet rituel, vous avez, il y a un souffle très différent de si vous prenez un morceau, un objet moderne par exemple. Les objets ont un souffle. Ces choses-là deviennent organiques finalement. Quand vous regardez un arbre, il y a un souffle, une plante, il y a un souffle. Il y a une forme de respiration qui n'est pas dans le sens physiologique, mais il y a un rythme qui est là. Mais il ne faut pas intellectualiser là-dessus, c'est tout ce qui se... Voilà, qu'on sent éventuellement. Bien sûr. Le rêve, c'est un état de veille. C'est exactement la même chose. Il n'y a pas de rêve. Le rêve, c'est un état de veille. C'est uniquement après qu'on dit que c'était un rêve. Mais quand un crocodile vous mange une patte, dans un rêve, vous le sentez exactement que c'est un état de veille. Vous n'allez pas vous dire, oh non, c'est un rêve. Non, vous le vivez. Bien sûr. Il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est que le rêve est moins fabricable. Donc le rêve anticipe votre capacité, un peu comme... Moi, je ne suis pas graphologue, mais Jean-Claude était extraordinaire graphologue. Et dans une écriture, il voyait un an ou deux avant les changements. Des fois, il montrait une écriture et il dit, voilà telle personne, il y a encore telle problématique, mais je vois dans un an ou deux, c'est fini. Déjà dans l'écriture, il n'y a plus la problématique. On voit qu'elle est passée. Mais dans sa vie actuelle, il y a encore la problématique. Non, il pouvait lire avant. Et dans le souffle, on le sent. Et dans le rêve également. Donc si vous avez peur des chats noirs, un état de veille, et vous rêvez dans un chat noir, vous n'avez plus peur, vous allez voir que progressivement dans l'état de veille, vous n'allez plus avoir peur des chats noirs. Par contre, si dans l'état de veille, vous n'avez pas peur des chats noirs, et si dans un rêve, vous avez peur des chats noirs, c'est-à-dire que vous avez encore peur des chats noirs. Dans le rêve, vous donne une espèce d'indication de votre actualisation de certaines choses. Ça, l'écoute des rêves est importante. Pas l'interprétation, ça a une valeur dans les démarches thérapeutiques qui ne sont pas notre problème ici. Mais c'est important, les rêves. Et en rêve, on le sent. Quand vous réveillez le matin, vous savez, un peu comme le chat de poule. Après le rêve, on vit avec le senti du rêve. On ne rentre pas dans la conceptualisation interprétative qui peut avoir sa valeur encore une fois thérapeutiquement, mais on ne se situe pas à ce point de vue-là. Non, mais vous savez, c'est parce qu'on ne voit plus quelqu'un, c'est pas parce que quelqu'un est
que les gens ici appellent mort, qu'il faut croire à ces choses-là, à ces représentations. Quand vous êtes lié à quelqu'un, c'est éternel. Donc on peut très bien rêver des gens qui sont morts, ou sentir des gens... La mort, c'est un concept des vivants, mais si vous n'avez pas ce concept-là... Il n'y a pas de séparation. Vous pouvez rêver de gens avant de les rencontrer aussi. 10 ans avant, on peut voir des gens en rêve et puis après vous les rencontrez. Vous pouvez avoir quelqu'un qui disparaît, ce qu'on appelle ici disparaître, et après vous avez continué à avoir des rapports intimes, en rêve, profond. Quand vous réveillez du rêve, restez avec encore une fois. C'est comme un parfum qui est là, vous devez vivre le parfum, mais progressivement dans la journée, le parfum va se diluer, etc., pour que ça va disparaître. Il ne faut pas essayer de garder le rêve, mais il faut vivre avec le rêve. C'est très important. Le matin, on porte le rêve un peu en soi, et puis après, il y a comme une dissolution qui se fait, là, c'est fini. Mais c'est dans le rêve qu'on comprend le rêve. C'est pas de comprendre de l'état de veille le rêve, c'est une autre symbolique. Donc le rêve doit vraiment se comprendre dans le rêve et l'intimité du rêve, et c'est l'intimité du rêve. Ce n'est pas ensuite que vous allez avoir une intimité forcément dans l'état de veille ou que vous l'avez vu. L'intimité dans le rêve a son intelligence dans le rêve. Oui, mais ce n'est pas ce que vous rendez compte de ces moments dans ce que vous appelez d'endormissement, de non-présence, qu'il y a des moments d'écoute. Quand vous dites « j'écoute pas », c'est ça qu'on appelle l'écoute. Si vous n'écoutez pas, vous ne sauriez pas que vous n'écoutez pas. Quand vous dites « ça fait 2 jours, je suis dans la tamasique », à ce moment-là, vous ne l'êtes pas. Vous vous rendez compte, si vous l'étiez, vous ne le sauriez pas. Non, personne ne vous dit que c'est la même intensité. Il y a quelque chose qui coiffe ces différences d'intensité, mais non, c'est différent, bien sûr. Des moments où on est plus ouvert, des moments où on est plus fermé, ça fait partie de notre fonctionnement. Vous ne pouvez rien faire avec ça. Vous pouvez de plus en plus accueillir, et vous allez voir quand vous accueillez des moments de difficulté, d'obscurité, sans éléments psychologiques, vous allez voir ces moments vont progressivement perdre leur intensité. Ici, quand vous sentez la lourdeur venir, la pesanteur venir, vous avez une sorte de réactivité en disant « non, ça va encore commencer », etc. Vous alimentez ces éléments. Donc il faut arriver à vraiment avoir cette neutralité tactile, comme quand on caresse la main, et voilà, ni oui ni non. Parce que je peux ni dire oui ni dire non. Simplement sentir, je ne rentre pas dans le concept d'agréable, du désagréable. C'est très difficile parce que on s'exprime automatiquement oui, non. C'est une agression, au contraire, c'est une stimulation. Et je peux également sentir quelque chose sans rien fabriquer conceptuellement. C'est la même chose que vous devez avoir quand vous avez cet état tamasique, un peu de lourdeur. Vous expérimentez des fois vous le sentez. Voilà, vous le sentez et vous faites rien. Laissez-vous faire, une caresse, laissez-vous faire. Tout le corps devient réceptacle de cette lourdeur, de cette difficulté. Et ça va commencer à s'étaler, ça va commencer à vibrer, ça va commencer à bouger. Il y a comme une pulsation, il y a quelque chose qui va se faire et ça va naturellement disparaître. Mais c'est. Ça se fait tout seul. Mais voyez quand la difficulté commence, comment vous réagissez parce qu'il va y avoir une difficulté. Et là, vous augmentez. C'est vraiment voir ce schéma. Sans commentaire. On a tous plus ou moins ce schéma-là, mais il faut le voir. Joyeusement. Ce n'est pas une malédiction, c'est le contraire. Est-ce que vous pourriez... je crois que c'est dans un de vos livres où vous parlez de l'espoir et que c'est quand on n'en a plus, en
parfois il y a quelque chose qui est bien. Finalement, l'espoir n'est pas, c'est pas le problème, mais c'est l'espoir en quelque chose qui est le problème. Parce que peu importe en quoi vous avez un espoir, ça ne marchera pas. L'espoir tout court, c'est pas, c'est une forme de grâce. Finalement, le seul espoir à avoir, c'est l'espoir d'un jour me rendre compte de mon fonctionnement. Est-ce que je peux un jour me rendre compte comment je fonctionne, sans commentaire ? C'est un espoir, je dirais, honorable. Mais l'espoir de trouver un mari fidèle, de trouver d'être aimé, de réussir, c'est des espoirs qui vont toujours être déçus. Parce que ce n'est pas ce qu'on veut, en vérité. Parce que quand j'ai la chose que soi-disant j'espérais, quelques temps après, je m'aperçois que ce n'est pas ça que je veux, c'est autre chose que je veux. Donc ce que j'espère soi-disant, c'est jamais ce que j'espère vraiment. Quand je comprends ça, profondément, intuitivement, pas conceptuellement, l'espoir va devenir un espoir multidimensionnel, qui est plus vers quelque chose, qui est vers la vie, l'espoir de voir mon fonctionnement. À ce moment-là, l'espoir est à sa place, mais ce n'est plus un espoir, c'est une intensité, c'est une énergie, c'est une écoute, dans laquelle, de plus en plus, tous les événements de votre vie vont vous apparaître comme étant extraordinairement important pour vous ramener à vous-même. Alors qu'avant, tous ces événements m'éloignaient de moi-même, pendant tous ces événements me ramènent à moi-même. Pas à moi-même conceptuel, pas à moi-même psychologique, mais à moi-même sous forme d'écoute. Et tant qu'il y a l'espoir dans quelque chose, c'est une... On va dire, c'est un passage. C'est normal qu'un enfant espère réussir à l'école, qu'il espère... travailler, qui espère se marier, plus tard qu'il espère divorcer, puis qu'il espère, etc. C'est légitime. Mais à un moment donné, vous n'avez plus d'espoir dans les choses, à ce moment, l'espoir devient plutôt une disponibilité, comme c'est pas un espoir vers quelque chose, c'est par quelque chose, ça devient une sorte de présence, d'intimité. Bien sûr, mais vous ne choisissez pas. L'espoir est aussi dans le présent. Il se formule de manière sémantique dans le futur, mais le futur, c'est le présent. Il n'y a rien d'autre. Donc quand je parle dans 5 ans, dans 100 000 ans, ben c'est maintenant. Donc le futur, c'est le présent. Mais je dois voir la dynamique qui est vers quelque chose et elle va être remplacée par une dynamique par quelque chose qui est cette écoute. Mais pour moi, il n'y a pas de maladie, il n'y a que la santé. La maladie, c'est une forme de la santé. Mourir, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un échec. Voilà, il y a des maladies, il faut l'écouter. Une maladie, il faut l'écouter. Quand vous l'écoutez, vous n'avez plus d'éléments psychologiques. Quand vous écoutez une maladie, vous allez apprendre à fonctionner. Pas idéologiquement, mais pratiquement avec. Il faut écouter. Cette écoute peut amener une action. Il ne faut pas confondre l'écoute et l'inaction. L'écoute, ce n'est pas de rien faire. L'écoute, c'est d'être présent à ce qui est là. Si vous sortez d'ici, que vous mettez la main à la gorge pour vous égorger, l'écoute va être d'être fonctionnel. Selon la personne, vous allez donner votre portefeuille. Vous allez vous laisser violer. Selon la personne, vous allez lui démettre le bras, lui briser le crâne. Ça dépend de toute votre vie, de tout votre entraînement, de toute votre expérience, de votre adrénaline. L'écoute va vous permettre de faire ce qui est fonctionnel en fonction de vos capacités et de la capacité de la situation. Une maladie, écoutez, une maladie peut vous amener chez un chirurgien, peut vous amener chez un allopathe, chez un homéopathe, peut vous amener de faire un jeûne, peut vous amener de faire un voyage, de changer de mari, de changer la disposition de l'armoire et du lit dans votre pièce, ce qui est très important pour la maladie, etc. Donc l'écoute a une expressivité sans limite, mais il faut que ce soit une écoute. Si dès que j'ai une maladie, automatiquement je vais chez le médecin pour lever la maladie, c'est respectable.
Mais c'est fragmentaire. Si une maladie se découle, je vais d'abord l'écouter. Ensuite, je vais chez le médecin pour qu'il m'aide à mieux écouter la maladie. Et écouter pas les concepts, pas ce qu'on dit dessus, mais c'est un ressenti de maladie. Et que vous allez voir, quand vous ressentez la maladie, le mot maladie va quitter votre vocabulaire. Donc il y a un ressenti. Ce n'est pas une maladie, c'est un ressenti. Et par ce ressenti, il y a une intelligence qui va venir de changer votre alimentation, de faire un voyage, de vous faire opérer, de prendre tel ou tel remède. Parce que si vous restez dans l'élément conceptuel, vous avez un cancer, vous allez voir trois chirurgiens, vous dire il faut opérer, il ne faut pas opérer, dire surtout pas opérer. Ce n'est pas facile. Qu'est-ce que vous allez choisir? Vous allez revenir à vous-même, vous allez sentir, vous allez faire ce que vous sentez. Peut-être que vous allez y passer quand même, de toute manière, il n'y a pas le choix, tôt ou tard. Mais on fait ce qu'on sent. Donc même dans une formulation de quelqu'un, c'est ce que vous sentez qui est important, ce n'est pas ce qu'on vous dit, parce qu'il y aura des avis contradictoires. Donc le ressenti, c'est la clé pour écouter la maladie. On ne vous dit pas que c'est la clé pour guérir. Moi, je ne sais pas ce que c'est la guérison. Après, c'est les opinions. Pour moi, la maladie, c'est une forme de la santé. Si vous coupez votre bras, bien, vous allez voir, ensuite, ça va cicatriser, comment ça fonctionne. C'est la santé. Quand vous avez une fièvre, c'est la santé qui vous donne la fièvre. Mais il faut l'écouter. Et encore une fois, ça ne veut pas du tout dire de ne pas vous soigner. Et pas vous soigner contre quelque chose. Soignez-vous pour mieux écouter. Si vous devez vivre avec la maladie comme on vit avec un enfant, quand vous prenez un enfant dans vos bras, vous sentez la respiration de l'enfant, vous sentez le poids de l'enfant, vous sentez la chaleur de l'enfant, vous sentez l'odeur de l'enfant. Tout ça est une seule sensation. Je dois sentir mon corps, quand j'ai une région du corps qui est dite malade. Je dois devenir extraordinairement intime avec, et cette intimité va venir de l'intelligence de l'actualisation dans tel ou tel domaine. C'est comme si vous avez une accident de voiture et puis après vous remettez sur un tapis de yoga, mais des fois vous ne pouvez pas bouger. Vous êtes au millimètre près, et c'est très important. Les gens qui n'ont pas d'accident sont très, très mauvais sur le corps. Celui qui a souvent des accidents. On peut vraiment sentir à un millimètre près, c'est tellement douloureux, donc on n'est que dans la sensation, que dans la sensation, que dans la sensation. C'est cette sensibilité qui a une extrême intelligence technique de bouger, de comment fonctionne le corps. Le corps, il demande à être conscient. Le corps a besoin de conscience. Il faut écouter le corps. Quelle que soit la situation, si vous faites des heures de combat, on sent le corps. Si quand vous êtes rentré, vous êtes en légalité, on sent. Si vous faites de la course à pied, on sent la course, on sent le rythme. Si vous faites du chant, on sent le chant. Tous les arts, c'est quoi? C'est uniquement de sentir. Sentir, et une maladie, c'est un art comme un autre. Vous avez une maladie, ça veut dire qu'il faut écouter, écouter. Comme une dépression, il faut écouter. Ce n'est pas pour rien. Donc j'écoute, c'est l'écoute. Il y a des intuitions qui vont venir. Donc le... Ici, on n'a aucune idée de dire qu'il ne faut pas intervenir. Non, non, allez voir le chirurgien. Mais courez pas. Allez-y par écoute. Puis, comment choisir le chirurgien? Vous allez écouter. Comment il se tient, ce qu'il dit, ce qu'il ne dit pas. Notre chirurgien, il dit ça. Notre chirurgien, puis vous le sentez. Voilà, c'est celui-là, c'est pas l'autre. C'est comme pour choisir un mari, c'est comme pour choisir un chien, pour choisir une voiture. Choisissez pas, vous sentez, puis c'est celle-là. La vie, c'est le senti. Et si vous agissez sur le senti, vous n'allez pas regretter. Quoi qu'il se passe, c'est comme ça. Mais si vous suivez ce qu'on vous dit, sans sentir, après vous dire, oui, mais j'aurais pas dû, etc. Non, moi, je fais ce que je sens, quelles que soient les conséquences. Parce que c'est comme ça, ce qui arrive, doit arriver. Donc, il n'y a jamais d'échec. C'est la peur. Bien sûr. Bien sûr. Mais on sent la peur. C'est beau la peur. Combien vous payez pour aller dans les montagnes russes? 10 dollars, 15 dollars, 10 euros. Vous payez pourquoi? Pour avoir peur. C'est beau la peur. Ceux qui sautent d'un pont d'élastique, mais 150 euros.
pour sauter, pour avoir encore plus peur. C'est magnifique. D'avoir peur, de sentir la peur quand on n'a pas peur. Si on a peur, on ne saute pas du pont. Mais celui qui saute n'a pas peur, mais il veut sentir la peur. Donc sentir la peur vous libère. Sauter du pont d'élastique, si l'élastique tient, le soir vous dormez très bien. Parce que vous avez senti la peur, vous n'avez pas eu peur. Celui qui a peur et qu'on pousse, le soir il ne peut pas dormir parce qu'il a eu peur. Mais celui qui a senti la peur dort très bien. Donc sentir la peur vous libère de l'émotion. Avoir peur vous bloque. Vraiment, voilà la différence. Oui, mais la peur n'est pas tout le temps là. Donc c'est vrai, il y a des moments de panique, c'est qu'on fonctionne par cycle. Et quand il y a la peur, vous devez l'accepter tactilement, encore une fois. Ce n'est pas une chose à critiquer, vous ne dites pas « je ne devrais pas avoir peur ». Quand j'ai peur, j'ai besoin d'avoir peur. C'est ma manière de survivre. C'est une chose qui vient de la petite enfance, voilà, j'ai peur, c'est comme ça. Mais je sens la peur. Comment je sens la peur? Où est-ce qu'elle est cette peur? Dans le ventre, dans la poitrine, dans la gorge? C'est chaud, c'est froid, c'est sec, c'est amer, c'est astringent, c'est clair, c'est obscur. Quand j'ai peur, je sens la peur. Il y a des moments où la peur est moins présente, je vais sentir plus la zone physiologique. C'est pas comme si on pouvait choisir, on ne pouvait pas dire, voilà, maintenant je vais plus avoir peur. Non, la vie n'est pas fabricable. Donc, quoi qu'il arrive, à un moment donné, vous êtes disponible selon vos capacités à ce qui se présente. Et au plus, vous allez pouvoir sentir ce qui se présente, au plus, il y a une forme d'intelligence du senti qui va se faire de fonctionner. Parce que le corps est conscience. Le corps n'est pas un objet. Le corps est conscience. Toutes les émotions sont conscience. Quand je laisse vraiment vivre en moi une émotion, une peur, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. Mais uniquement si on laisse faire. Mais si je rentre dans une stratégie, soit je traite le corps comme un objet. Le corps n'est pas un objet, le corps est ce qu'il y a de plus extraordinaire quand on réalise qu'il est conscience. Mais en général, le corps n'est pas conscience, il est objectif. Ça, je pense que c'est des morceaux, j'ai une main. Voilà, Non, là, j'ai pas une main. Il y a conscience qui est là. Ça peut être un concept. Il faut le sentir. Je crois qu'il y a un livre sympathique qui sort de Jean Klein ces jours-ci. J'ai reçu un petit morceau de ce livre et c'est Alain Porte qui a formaté le livre. Il raconte qu'il était une fois avec Jean Klein dans le salon et Jean Klein, il y avait un moment de silence un peu intense. Et puis Jean Klein a levé la main et lui a dit « voilà, je sens la dualité jusqu'au bout de mes doigts ». Et voilà, ça se sent, ça ne se pense pas. Est-ce que la conscience, ça a à voir avec le fait d'être témoin de cette écoute? Et est-ce que ça se termine dans le silence? La notion de témoin, c'est un outil de la démarche védantique qui n'est pas présente dans le Cachemire. C'est une notion très... C'est un outil très puissant, mais qui demande, d'après l'approche traditionnelle, pour que ce soit amené à son terme, la présence d'un maître établi dans la non-dualité. Et vous verrez, ça ne court pas les rues de nos jours. Alors la démarche tantrique ne demande pas ces choses-là. Et pour nous, il n'y a pas de témoin. La création d'un sujet, d'un objet, c'est un mouvement cérébral. En réalité, il y a pure perception. Dans cette perception, il n'y a rien qui est perçu et personne qui perçoit. Ensuite, quand je dois rendre compte de la perception, si mon chien me demande alors, mais qu'est-ce qui s'est passé, ben, je vais lui dire, voilà, j'ai senti ça. Mais en réalité, la perception d'instant en instant est sans témoin. Le témoin, à ce moment-là, c'est la mémoire. Donc, mais il existe une
une tradition de l'Atma Vishara, de Shankara, avec cette notion de témoin, comme le très beau Drudogvika, le texte de Shankaracharya. Mais ça, c'est. Jean-Claude, c'est très clair que pour suivre cette approche, il fallait la présence d'un véritable maître. Dans l'approche du Cachemire, on ne rentre pas dans la notion de témoin. C'est-à-dire, on ne va jamais. Je suis témoin. Mais au contraire, on abolit finalement l'espace entre le perçu et le percipient. Et pour ça, on laisse l'objet perçu se déployer. Et quand l'objet perçu se déploie, à un moment donné, il se résorbe de sa nature profonde. Et quand l'objet se résorbe dans le silence, mais quand l'objet se résorbe, il peut y avoir le sujet, parce qu'il peut y avoir le sujet sans objet. Donc la résorption de l'objet entraîne la résorption du sujet imaginaire. Quand il n'y a plus ni sujet ni objet, il y a cet état d'écoute. Dans toute la démarche tantrique est de presque magnifier la perception, c'est-à-dire l'objet, pour qu'il puisse se déployer. Et ensuite, cette perception se résorbe et entraîne le sujet imaginaire à sa suite. C'est pour ça, quand vous lisez le Vijnana Bhairava Tantra, qui est le texte de base de notre école, vous avez de nombreux exemples de la vie civile, entre parenthèses, c'est-à-dire la peur sur le champ de bataille, ou l'émotion de revoir un ami, ou de regarder un ciel bleu, peu importe les moments où il y a une émotion tactile, auditive, visuelle, gustative, tactile, émotionnelle. Et on vous dit, si celui qui laisse la peur, celui qui laisse la perception tactile se déployer, automatiquement on va retrouver l'essentialité, on le dit autrement, parce que c'est une terminologie indienne, mais c'est ça ce que ça veut dire. Et quand on laisse l'objet perçu se déployer, il se résorbe dans la conscience, et comme il peut y avoir le sujet sans objet, le sujet imaginaire se résorbe simultanément, parce que le sujet et l'objet, c'est des représentations cérébrales, ce n'est pas une réalité objective. Et dans nous, c'est notre approche centrique, et cette résorption du sujet, cette résorption de l'objet dans le sujet. Alors que l'approche védantique, qui utilise la notion de témoin, c'est on exclut tous les objets jusqu'à trouver l'ultime sujet. Mais ça se demande une capacité très une cérébralité un peu extrême, une très grande qualité, et la présence de quelqu'un pour soutenir cette expérience du pur sujet dans la démarche tantrique qui est plus démocratique. Donc c'est celle qui se dont on bavarde ici. Mais donc là, c'est pas du tout une critique de la notion de témoin, c'est que ça ne fait pas partie de l'outil de l'approche cachemérienne. Du coup, ça veut dire quoi, je sens la dualité jusqu'au bout de mes doigts ? Il faudrait lui poser la question. J'ai pas de... Je suis inapte à commenter ce que dit Jean-Claude. Je n'ai pas de notion d'heure ce soir, donc c'est peut-être l'heure d'aller se coucher. Je ne sais pas. Quelqu'un à l'heure, peut-être ? Oui, je crois que c'est. Quand les vieux vont se coucher, mais les jeunes vont sûrement danser. Merci d'être venu. Merci.